Un ancien compagnon de route de Martin Luther King tacle le président américain élu alors que les États-Unis célèbrent l'anniversaire de ce héros de la lutte pour les droits civiques. Membre démocrate du Congrès, John Lewis a prévenu qu'il n'assisterait pas à l'investiture de Donald Trump ce vendredi. En raison de l'intervention présumée du Kremlin dans l'élection, cet ami de lutte de Martin Luther King juge le futur chef de l'État illégitime. Une remarque qui a suscité la fureur du prochain locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui recevait hier le fils aîné du défunt révérend, s'en est pris à Lewis en lui recommandant, je cite, de se concentrer sur les ghettos en flammes infectés par le crime. Chaque année, le 16 janvier, les États-Unis honorent la mémoire de Martin Luther King, un jour férié durant lequel les élus s'abstiennent habituellement de s'affronter.